Eh bien, bienvenue à tous sur aujourd'hui une petite vidéo particulière. On se retrouve sur le serveur, non pas sur le serveur, sur la map solo réalisée par GusDX sur de sa série Zoocraft. Il a mis à disposition donc la map. Voilà, donc je vais en profiter pour faire une petite annonce et puis surtout vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes, un excellent Noël et de bonnes vacances et voilà, plein de bonnes chose pour tous. Voilà, donc on va se faire une petite visite du zoo de GusDX. Alors j'espère que vous connaissez, normalement vous devriez connaître. Donc voilà, il a fait une série qui s'appelle Zoocraft. Et il y a Blanchette normalement là-haut. Ah ouais, elle est planquée, il y a Blanchette. Donc si vous connaissez pas Gus, franchement, je vous invite, je mettrai un lien, bien qu'il est 1000 fois, voire plus que 1000 fois plus connu que moi. Mais bon, pour ceux qui de mes abonnés qui ne le connaîtraient pas, voilà, je mettrai un petit lien vers la description, vers sa chaîne, au cas où. Pourquoi je crois qu'il y en a déjà un. Et on va visiter donc le zoo qu'il a créé à travers sa série Zoocraft aujourd'hui. Il a fait un live il y a quelques jours sur un serveur. Il a ouvert un serveur qui n'est ouvert que qu'au début janvier, je crois. On va aller dire bonjour à Blanchette. Voilà, la fameuse Blanchette. Ah ben il est là aussi. Il y a même la musique. Ah ben, il y a son skin qui est là. D'accord, c'est rigolo. Il y a la musique qui se déclenche. Sympa. Salut Gus. Voilà. Donc là, je suis sur la map. Hein. Je ne suis pas sur le serveur parce qu'il n'y a que 30 personnes qui peuvent y aller en même temps. Donc là, c'est un peu occupé. Donc on va aller voir un petit peu ce zoo. Moi, j'ai suivi ses aventures. Donc c'est rigolo d'aller voir ça de l'intérieur. Voir toute la déco. Il a commencé en survival. Aller chasser les animaux, etc. Tiens, on va commencer peut-être par justement y aller en zoo. Et puis il a fini en créatif, quoi, tellement c'était du boulot, c'était énorme, etc. Bonjour. On va prendre la minecart sortie. C'est pas par ici. Donc marquez quoi là? Entrée. Entrée, entrée. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Hop là, c'est parti. Bon, on va commencer par faire une visite du zoo de par les airs. Histoire que ça génère un petit peu les chunks. Et après, on ira voir un petit peu les animaux. Donc, en profiter, le temps qu'on se promène sur ce minecart, pour vous dire que... mon minecart est un peu penché, non? continue sur Donjon Aventure, sur ma chaîne, la série Donjon Craft qui va durer encore pas mal de temps. Vous avez vu, j'y vais tranquillement. C'est une petite série sympa. Voilà, qui n'a rien à voir avec les donjons pour l'instant. Elle n'a de nom que de don que enfin, elle n'a de donjon que le nom de la série. Voilà, vous avez vu que j'ai commencé une nouvelle série sur un nouveau jeu qui s'appelle. Enfin, nouveau, c'est pas un nouveau jeu, c'est un vieux jeu assez ancien, un jeu d'aventure, jeu de rôle, sur Gothic 4. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est pareil, hein, j'y vais tranquillement. La map aventure, la trahison des Templiers est bientôt terminée. Il reste encore 2-3 épisodes, hein. Ça a été une longue map aventure. Donc il y aura pas de map aventure après pendant un petit moment parce que je voudrais continuer Zoocraft, Gothic, Dungeon Keeper 2 aussi qui a ses adeptes, ça vous plaît pas à tous, mais il y a quelques adeptes qui aiment bien ce jeu, un très vieux jeu, mais bon, moi j'adore aussi. Et donc Dungeon Keeper, c'est un épisode par semaine, hein, souvent le week-end. Voilà. Et pour vous dire que va arriver donc à la place de la map aventure, une fois que la trahison des Templiers sera terminée, ça fait un peu de bruit le minecart, va arriver une nouvelle série sur Minecraft avec le retour des donjons. Voilà, mais ça doit faire 2-3 mois que. Ouais, 2 mois au moins, que j'y joue déjà pour me préparer pour cette nouvelle série. Parce qu'il y a à peu près 70 mods. Voilà, vous devez connaître certainement, parce que d'autres ont fait des vidéos dessus, mais c'est le mod pack Exit. HE2XIT.
sur lequel je vais faire une nouvelle aventure, mais j'avais pas envie d'être de faire trop de fails, contrairement à DonjonCraft, où c'est plus. Mais j'avais envie de bien connaître les modes, tous les items qu'il y aura, parce qu'il va y en avoir des items. Énormément. Énormément de minerais, énormément de choses. Donc de craft, d'animaux, de PNJ, de donjons, de. Enfin voilà, il y aura énormément de choses à faire. Donc j'avais envie de faire ça bien. Donc j'ai. Oh, il y a un bug de check. Ah, la maison Agus là-bas. Donc j'ai pas mal préparé la série. Surtout moi à apprendre à faire moins de conneries, surtout moins fail. Voilà. Donc ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera à temps soit peu, bientôt quoi. Bon, j'ai pas encore tourné, donc il n'y a aucun épisode de prêt, donc ça arrivera bientôt. Que vous dire d'autre? Que ben on commence à. Voilà, on est bientôt dans 200 abonnés. Oh, c'est beau ça. Bientôt les 200 abonnés, tranquillement, voilà, hein, moi je. Je suis content, pratiquement que des pouces verts. Pour ceux qui regardent, on n'a pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, c'est une petite communauté, on grandit tranquillement. Ceux qui regardent, bah, c'est des personnes qui apprécient généralement, hein, sinon j'ai des personnes qui s'abonnent et puis qui se désabonnent le lendemain, donc c'est que ça leur plaît pas, donc autant qu'ils aillent, qu'ils aillent ailleurs. Ceux qui restent sont des fidèles, voilà. Faut qu'ils s'habituent à mes fails, je fais pas. Je suis pas un mec qui fait de la construction ni de la redstone, je joue comme pratiquement tout le monde, voilà, je joue. Voilà, je suis pas un expert. Donc beaucoup de vidéos d'autres grands youtubeurs sont très forts dans un domaine particulier. Moi non. Je suis comme tout le monde. Je suis un petit joueur. À part que j'aime bien faire des vidéos et commenter ce que je fais. Donc voilà, ça a l'air de. Hop là, on descend, de vous plaire. Hop, et bien on est arrivé. On descend par là. Voilà. Eh bien non, c'était bruyant. Donc on va aller voir un petit peu les animaux. Comme ça, j'ai fait un petit peu. J'ai expliqué un petit peu où en était. Ah bah c'est pas par là, évidemment. Où en était un petit peu la chaîne Donjon Aventure. Si vous avez des vidéos à me conseiller. Alors, on va voir les fameux zèbres. Sympa avec les panneaux. Si vous avez des jeux, pardon, à me conseiller. Alors plutôt jeu aventure hein, et pas trop récent parce qu'avec les droits etc. avec YouTube là hein, pas qu'ils nous embêtent. Bon pour l'instant ils m'embêtent pas avec Dungeon Keeper ni avec Gothic au niveau des droits. Bien que j'ai un network mais on ne sait jamais. Donc tiens on va aller voir le Volarium. Donc si vous avez un jeu à me conseiller que j'essaye. Si vous voulez que je fasse un let's play dessus, bah, n'hésitez pas à me conseiller. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur les vidéos. Vous seront toujours bien les bienvenus. Hein, donc voilà, mettez des commentaires. Ouais, sur vous les animaux. Ah, je crois qu'il y a un bouton pour les faire spawner. Voilà, me dire ce que vous en pensez. Mettre un petit pouce bleu maintenant. Ah, bah voilà, regardez. C'est quoi ça qui vole? Est-ce qu'il y a le zoom? Non, il n'y a pas le zoom. Enfin, s'il y a peut-être le zoom, je sais pas quelle touche c'est. Ça, c'est la volière. Il n'y a pas trop d'animaux. Je crois qu'il avait du mal à les faire spawner. Je crois qu'il y a, y a peut-être un bouton pour les faire spawner ou une connerie comme ça. Bon, on va redescendre. C'est immense, hein, ce zoo. C'est vraiment immense. Donc volière. Bon, on va pas aller de l'autre côté. On pourrait, mais. Ah, moins de mal, moi, avec les portes à boutons que Gus. Ah bah non, on est de l'autre côté, là, je suis bête. Ah, il y avait quoi, là? Des dindons. Les amis, ici, les dindons. Pourquoi pas. Une petite cascade. Il y aurait presque de quoi faire une aventure, ici. Bon, le zoo est fini, donc j'ai le droit d'aller, là. Ah ouais, j'ai le droit. Coucou, le piou-piou. Il y a des canards. Hop, 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 hop. Raté. Comme tout le monde. Porte à boutons. Ah d'accord, il a mis ses canards là. Ah ben non, ils sont là les dindons. Blablabla. Mouah. Porte. Voilà, donc je voudrais sortir de là maintenant. On va passer par la flotte. Je voudrais aller voir les gorilles là. Je sais même plus par où on sort. J'ai l'impression de tourner en rond. Je vais pas retrouver la sortie. Si, c'est par là. Ouais, je crois. Ben non, je suis passé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, oui. Bon, je fais demi-tour. J'ai pas tout compris. Ouais, ça doit être par là.
La sortie. Ah ben non, j'ai fait le tour. Ah ben, même là, je me perds, je continue. Je continue mes fails habituels. Surtout le sens dans l'orientation que je n'ai absolument pas. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Je me perds même avec Res Minimap, donc... Voilà. On va pas s'embêter avec une porte. Oui, je suis en train de péter un peu la map, mais c'est pas bien grave. C'est qu'une porte, je la remettrai. Bon, allez, hein, allez, plus vite comme ça. C'est quoi ça? Un doudou. Ah, mais ça existe plus, les doudous. Voilà, donc, ah oui, voilà, gorille, macaque. Je sais pas s'il y en a. On va remettre le jour, hein, ce sera plus sympa quand même. Oui, donc, que disent... Oh, ils sont beaux les gorilles, je n'ai jamais vu. Peut-être aller voir... Bon, on va pas tricher trop. Oui, donc, je disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, même si vous mettez prums, etc. Au contraire, m'en fous. Moi, ça prouve que quelqu'un a regardé. Voilà, me dire soit j'aime bien, soit j'aime pas, t'aurais pu faire ça, tu pourrais faire ça, me donner des conseils, des crafts à faire, des mods peut-être à installer, des... Voilà. Ah, il a enlevé, il y avait beaucoup plus de flammes en rose avant. Il y en a un peu moins. Yo, Benito. Polarium, on va aller jeter un oeil aussi au Polarium, c'est immense, hein. C'est immense, immense. Il est pas loin. Sympa avec la flotte et tout. Voilà, en plus c'est le pack de texture plutôt de base, quoi, à part qu'il a amélioré certaines textures pour le verre, etc. Mais on va pas faire le tour, on va plutôt passer par ici, regardez par en haut, on a des phoques. Voilà. Alors franchement, je vous invite à suivre les aventures, enfin les vidéos que fait Gus. Bah, vous devez connaître, hein, évidemment, mais bon. C'est pas moi qui vais lui faire de la pub, hein, c'est... Mais bon, au cas où, si vous connaissez pas, on va courir un peu. Ah, il y a les girafes. Des éléphants, il y a un peu de tout dans ce zoo. Donc n'hésitez pas, vous verrez si vous allez sur sa chaîne, sur les vidéos, il a mis un lien pour vous pouvez télécharger cette map. Et faire votre propre aventure. Voilà, il y a un launcher. On va aller voir les reptiles. Il y a un launcher, c'est facile, juste à installer, même pas. Petite tortue, des grosses tortues, un reptilarium. Ah, il y a des papillons ici qui se promènent. Oula, beaucoup de serpents ici. C'est quoi ça, serpent des blés? Il y a un qui est en train de crever. Serpent ratier noir. C'est tous les animaux de mon créature, ça, tous les serpents. Ah, il y a les crocos là. Oh, les crocos. Ah bon, il n'y a pas un endroit où on peut leur donner des cochons. Si, il y a des spawners, un cochon. J'espère qu'il les a remplis. Voilà, donc on va se quitter là. Hein. Donc vous n'hésitez pas à télécharger cette map là, comme ça vous allez pouvoir jouer là-dessus. C'est sympa. Franchement, il y a de quoi faire si vous aimez les animaux, si vous voulez améliorer, continuer ce qu'a fait Gus. Gus DX et non pas Gus, hein. C'est pas Gus Production, c'est Gus DX. Tiens, il y en a un qui s'est baladé. Ah oui, c'est moi ça tout à l'heure. Je me suis amusé à en faire spawner là. en faire spawner un ici. N'hésitez pas à aller télécharger ce. La map, quoi. Franchement, pour. Ah, petite lune. Vous pouvez bien vous amuser. Vous pouvez continuer, hein, vous êtes en créa, on peut être en créatif et puis. Il y a les tigres, etc. Il y a tous les modes sont préinstallés. Vous n'avez pas à vous embêter. Tout est prêt. Vous pouvez rajouter les animaux que vous voulez. Enfin, ceux qui existent, hein, dans l'inventaire. Il y en a, hein, pas pour vous dire, mais tous les œufs de... les œufs de... Je sais pas quoi, là. D'animaux. Il y en a, on sait pas. Il y en a tellement que... Bagheera, elle est là. Et là. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez les amis, c'était une petite vidéo pour Noël, entre guillemets, hein, le lendemain de Noël, hein, je vais la diffuser ce soir pour que vous l'ayez demain matin, voire même ce soir le 24, je suis en train de tourner, on est le 24 décembre, il est 18h, je vais me préparer pour Noël.
Je me dépêchais de tourner, je vais l'envoyer de suite sur internet. Peut-être vous la verrez ce soir avec vos cadeaux. J'espère qu'ils seront nombreux. Au pire, vous les verrez. Vous la verrez demain matin, la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore une fois de passer d'excellentes vacances, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur Donjon Aventure, la chaîne. Et à bientôt. Allez, d'ici là, phrase rituelle, ta-ta-da-da, portez-vous bien. Ciao, ciao.